aujourd'hui, j'ai rendez-vous au Pompéi, cours Lafayette, un restaurant italien riche en saveurs. Allons à la rencontre d'Antonio et de Franco. Nous sommes bien dans un restaurant italien avec sa magnifique fresque qui représente le Pompéi. Et puis une ambiance assez intime pour les couples, mais aussi pour les groupes qui veulent déguster tous ensemble une des très bonnes pizzas du Pompéi. Une nouvelle salade qu'on va voir sur la nouvelle carte, c'est une salade paysanne avec des poivrons, des croustillons de chèvre, du jambon cru, de la roquette. Évidemment, pas que des pâtes et de la pizza au Pompéi. Là, je me trouve devant une assiette méditerranéenne avec plein de bonnes choses. Des gambas, des sèches, des noix de Saint-Jacques, des moules, plein de gourmandises de la mer, je vais me régaler. Et en dessert, le café gourmand avec une mousse au chocolat, une panna cotta, un tiramisu et un baba au rhum et sa chantilly. Et bien sûr, le café. Bah, la nouvelle carte va être enrichie en tout, comme toujours, des plats italiens, très italiens, comme une grillade mixte de poisson, des nouvelles salades, un super café gourmand avec 4 desserts, et va être enrichie aussi en saveur et en goût d'Italie. On va proposer ça dans le début décembre, pour redémarrer une nouvelle année ensemble. On va fêter notre deuxième année avec une nouvelle carte et on va changer beaucoup de choses. J'espère que beaucoup de monde verra goûter ça. Et je vous remercie beaucoup de votre visite. Merci beaucoup, Antonio. Je vous en prie.